En général, au Bas-Canada vers 1820, il y a beaucoup plus de routes. Le chemin du roi et d'autres nouvelles routes permettent à la population du Bas-Canada de se déplacer en calèche, en voiture à cheval ou en carriole. Le premier bateau à vapeur navigue sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec en 1809. En 1820, il y a encore peu de bateaux à vapeur. Les gens se déplacent surtout en bateau à voile. Les canaux sont des cours d'eau artificiels construits à côté d'un obstacle à franchir, un rapide ou une chute par exemple. Les bateaux naviguent sur ce cours d'eau artificiel pour contourner l'obstacle, puis ils retournent sur le cours d'eau naturel. Du côté de Montréal, le canal Lachine a été construit dans le but de contourner les rapides sur le fleuve Saint-Laurent à l'ouest de l'île. Ces rapides empêchaient les bateaux de passer pour aller en amont de Montréal. Pour traverser les petits cours d'eau, on construit des ponts. L'hiver, certaines routes sont tracées sur les cours d'eau gelés pour passer d'une rive à l'autre. On les appelle des ponts de glace.